Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Comme je vous l'avais annoncé lors de ma dernière vidéo des 600 abonnés, eh bien voici la première vidéo qui va traiter d'un matériel à l'échelle 1. En l'occurrence, il s'agit des voitures UIC de la marque AMJL SAS. Alors il faut savoir que ce n'est pas le premier modèle de la marque AMJL SAS à l'échelle 1, car ce fabricant, dans sa lettre du 6 janvier 2021, indiquait qu'il se lançait dans la fabrication de modèles à l'échelle 1/32e. Son premier modèle était un couvert G4-2 qui était la première réalisation d'AMJL à cette échelle. Les travaux faits sur le modèle 1/43-5 permettaient d'extrapoler aisément une petite série au 1/32e en y incorporant quelques détails plus élaborés. Volet mobile, essieux sur roulement à billes, boyaux de frein souple, plancher bois, que cette plus grosse échelle permet de réaliser. Le programme prévu pour ce wagon était plus réduit que celui au 1/43-5 et se limitait à une version époque 3, deux versions époque 3-4A et une version époque 4B. Éventuellement, des variantes bovins et primeurs pouvaient être déclinées si un minimum de 7 unités était atteint. Ce qui a été le cas, puisque vous verrez par la suite une photo d'un G4 en transport de bovins. Le prix de lancement du wagon était fixé à 750 euros. Alors ce wagon a été très bien accueilli par les amateurs, notamment les amateurs étrangers, puisque il y a beaucoup de pratiquants de l'échelle 1 en Allemagne, entre autres. Et vous voyez ici donc deux reproductions terminées de ce wagon G4, dont la version bovin, jaune, avec de nombreux détails. Et d'ailleurs, le célèbre modélisme Bécasse Refering, qui patine avec goût les modèles à l'échelle 1/32e, a patiné un G4-2 de chez AMJL. Et le rendu est magnifique, on dirait vraiment un vrai wagon. D'où finalement ce succès a encouragé AMJL SAS à poursuivre dans la voie de l'échelle 1/32e. Il y a quelques années, AMJL SARL avait reproduit à l'échelle 0 les voitures UIC dans un grand programme. J'avais d'ailleurs présenté sur cette chaîne, je vous mets la vignette à l'écran, une voiture UIC type B10 en époque 4A. Et donc l'expérience acquise par AMJL SARL pour ces voitures UIC a permis à AMJL SAS de les extrapoler à l'échelle 1/32e. Vous voyez ici à l'écran le programme complet qu'AMJL SARL avait réalisé à l'échelle 0. Donc ce programme était très très complet et ce ne sera pas bien sûr le cas à l'échelle 1 puisqu'il faut faire quand même des choix, mais à l'échelle 0 cela vous permet de voir tout ce qui avait été reproduit à l'époque. Mais revenons désormais à ce qui nous intéresse, donc les voitures UIC à l'échelle 1. Alors le programme le voici. Vous avez donc les voitures UIC SNCF type Y à l'échelle 1/32e, donc les trains de jour avec des types A9, B10, A4, B5, B5D, A7D. À cela s'ajoutent aussi des trains de nuit, les voitures couchettes en version vert gris métal et bleu gris. Et en plus, AMJL SAS propose aussi les voitures restaurants et les VRU en version rouge, rouge gris métal, rouge gris ciment et en version Capitole, donc 4 voitures restaurant possibles. Donc c'est déjà un beau programme pour l'échelle 1. Lors de la dernière exposition de Gießen en Allemagne, AMJL présentait les premiers prototypes de ces voitures UIC. Comme vous pouvez le voir, c'est une construction haut de gamme en laiton. Cette importante série de voitures a été mise en service à partir de 1964. Elles ont assuré tous les services de train express et rapides nationaux et internationaux, ainsi que le prestigieux Capitole roulant à 200 km/h.
Les versions couchettes ayant circulé dans toute l'Europe et les voitures restaurants font partie du programme. Les modèles sont proposés suivant les décorations époque 3, 4 et 5. C'est une construction bien sûr très détaillée, tous les tons, essieux suspendus, montés sur roulement à billes avec des roues NEM ou Finscale, boyaux de frein souples. Alors, il faut savoir qu'à l'échelle 1, souvent les constructeurs proposent les essieux et les roues en mode NEM ou Finscale, et suivant le premier est moins cher que le second. Vous avez toujours le choix, que ce soit pour les voitures, les locomotives à vapeur, les locomotives diesel, etc. Ces modèles sont conçus pour s'inscrire dans des courbes de rayon de 2,30 m, mais la circulation sera possible sur des rayons de 1,394 mm. Puisque, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de comparaison entre l'échelle 0 et 1, tous les fabricants de l'échelle 1 se sont entendus pour mettre un rayon minimum, déjà avec les essieux et les roues en normes NEM, pour que les machines et les wagons passent sur un rayon assez faible. Je vous laisse admirer en musique donc ces prototypes. Vous avez un prototype de voiture train de jour et un prototype de voiture couchette, ainsi qu'un prototype de voiture restaurant. Vous pouvez voir également les deux sous-châssis qui sont extrêmement détaillés, ainsi que la reproduction des aménagements intérieurs. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine. Voici ce que je pouvais vous montrer à l'heure actuelle au sujet de ces voitures UIC. Alors il faut savoir que MGL SAS entend développer son programme à l'échelle 1,32, car lors de cette dernière exposition de Giessen, comme je vous ai parlé, il a dit qu'il allait transposer les wagons RES et REMS à l'échelle 1,32e, et il a annoncé aussi l'arrivée d'une future locomotive à cette échelle. Il s'agit d'une locomotive électrique type Cibic, enfin type Nekassé 7200 22000, dont on devrait avoir des informations dans un avenir proche. Voilà, dans l'attente, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.